Saba parut en 1995 comme titre de lancement pour la NES. Cette version est issue de Kung Fu Master paru à l'arcade par la compagnie Irem, à qui l'on doit des classiques tels que Moon Patrol, Vigilance et la série R-Type. Irem était surtout connu pour la grande difficulté de leur titre. Heureusement pour nous, la version NES de Kung Fu Master fut développée par Nintendo et a donc vu sa difficulté baisser d'un cran. Par contre, Kung Fu garde les bases d'un jeu d'arcade. En effet, comme plusieurs titres parus au début de vie de la NES, Kung Fu est un jeu comportant une boucle sans fin. Dans cette boucle, nous suivons l'histoire de Thomas, un expert en arts martiaux, au secours de sa bien-aimée Sylvia, capturée par la bande de Mr. X. Le jeu contient 5 niveaux qui se terminent en moins de 3 minutes chacun. 3 types d'ennemis sont présents pour vous empêcher de retrouver votre Sylvia. Il y a les Grippers, qui sont les ennemis les plus inoffensifs, puisqu'ils ne font que se coller à vous et font baisser votre barre de vie. Ensuite, nous retrouvons les Knife Throwers, qui lancent des couteaux au niveau de la tête ou des pieds de notre héros. Pour les éviter, nous devons nous mettre à genoux ou sauter par-dessus les projectiles en question. Il ne faut pas oublier les Tom Toms, qui sont des personnages 2 fois plus petits que les autres ennemis, mais qui, en contrepartie, sont plus rapides et surtout ont la possibilité de sauter, ce qui en fait des adversaires imprévisibles. À la fin de chaque niveau, un boss vous part la route qui mène au prochain étage, ou donc niveau. Au premier de ces étages, nous devons affronter Stick Fighter, un ennemi qui utilise un bâton comme arme. Vient ensuite le Boomerang Fighter, qui lance, comme son nom l'indique, des boomerangs à la figure de Thomas. Le troisième boss se trouve être Giant le Géant. Celui-ci est très puissant. Notre héros peut mourir en seulement quelques coups bien placés. Le Black Magician, le magicien noir, se situe au 4e étage. Ce dernier nous lance des boules de feu dans notre direction, mais peut également disparaître à tout moment. Le dernier, mais non le moindre, Mr. X, le chef du groupe, est considéré, selon le manuel du jeu, le maître suprême en arts martiaux. Il a le même gabarit que Thomas, mais il est plus puissant et plus rapide. Le jeu, au premier abord, peut paraître difficile. Ce n'est cependant pas les contrôles qui donnent cette difficulté. La maniabilité est un des gros points forts du jeu. Nous avons la possibilité de donner des coups de poing, des coups de pied, et ce, debout ou à genoux. Cependant, si vous voulez impressionner la galerie, le coup de pied en sautant est le plus spectaculaire, d'autant plus qu'il est aussi le plus puissant. Chacune de ces attaques donne un nombre de points défini pour chaque type d'ennemi. Par exemple, le coup de pied en plein saut est le plus difficile à faire et donc celui qui rapporte le plus de points. La difficulté vient plutôt des ennemis qui arrivent de façon aléatoire durant l'ensemble d'une partie. Ceux mémorisant chaque pixel d'action dans des jeux comme ceux de la série Mega Man seront malheureusement déçus. Seuls les paniers tombant des plafonds au 2e niveau et les papillons de nuit du 4e niveau passent par un chemin prédéterminé. Avec un peu de pratique, il devient facile d'esquiver ces objets qui se présentent devant notre route. Les boss, comme il fut précisé précédemment, possèdent des habiletés qui les différencient entre eux. Pendant que je jouais, j'ai testé différentes approches pour chacun. L'approche qui semble être la plus efficace est celle où l'on doit avancer l'ennemi le plus loin possible de son point de départ. De cette façon, le boss ne peut plus foncer vers nous et donc, à la première ouverture, nous avons la possibilité d'éliminer les 4 premiers boss sans difficulté. Mr. X est un autre paire de manches puisqu'il ne se déplace pas. Avec un peu de patience, celui-ci peut être vaincu comme ses confrères. Le jeu n'est pas parfait. Les graphismes sont d'une grande simplicité. Les décors ne changent jamais ou presque. Cependant, le tout est rattrapé par une grande variété d'ennemis qui, comparé au temps qu'il faut pour terminer l'aventure, est assez importante. En ce qui concerne la musique de jeu, elle est malheureusement répétitive à souhait. Seul un morceau sera entendu durant l'ensemble d'une partie, excepté la scène des retrouvailles de Thomas et Sylvia à la fin du jeu. Vous comprendrez que j'ai mis le jeu en sourdine après quelques dizaines de minutes. Le bruitage n'est pas non plus à la hauteur, même pour de la NES. Comme vous le constatez, avec un peu de pratique, Kung Fu n'est pas aussi dur qu'il en a l'air. Ce sentiment est aidé par la très faible durée de vie du jeu, qui tourne autour de 10 minutes. Après avoir secouru Sylvia des griffes de Mr. X, le jeu recommence au premier étage de l'immeuble. Le jeu continue sans arrêt jusqu'à la mort inévitable de Thomas. Il faut spécifier que 2 modes de jeu sont à notre portée, soit le mode A ou B. La seule différence est la difficulté plus importante dans le mode B. Il est aussi possible de jouer à 2 joueurs, mais uniquement tour par tour entre chaque mort.
Pour conclure, Kung Fu est un petit jeu sympathique sans plus, qui, avec de la pratique, se terminera dans un claquement de doigts. Ce jeu est surtout orienté pour ceux qui adorent battre leurs meilleurs scores ou ceux de leurs amis. Malgré ses quelques défauts, Kung Fu mérite d'être essayé, d'autant plus qu'il est un des pionniers dans le genre des beat'em up.